Bonjour les enfants, nous allons lire le code de la route. Vous reconnaissez ici le petit chaperon rouge qui s'en va à vélo. Elle va croiser des panneaux de signalisation qui font référence à des histoires que vous connaissez. Alors vous êtes prêts? On va jouer aux devinettes. Et hop! Le petit chaperon rouge s'en va dans la forêt pour voir sa grand-mère. Sa maman lui dit « Au revoir! Sois prudente !» Le petit chaperon rouge croise un premier panneau. Alors, bah oui, vous les avez reconnus, ce sont les trois ours, de Boucle d'Or et les trois ours. Et viennent après le panneau, justement les trois ours, à vélo. Il y a ici papa ours, petit ours et maman ours. Ensuite, le petit chaperon rouge tombe sur ce panneau. Alors, qui est là? Ce petit garçon qui sème des cailloux blancs? Oui, c'est le petit pousset. Et le petit chaperon rouge croise le petit pousset qui sème des cailloux pour ne pas se perdre dans la forêt. Il est avec ses frères. Nouveau panneau. Un chevalier. Comme il y a des chevaliers dans des tas d'histoires. Et voici un chevalier au grand galop avec une énorme épée qui poursuit un tout petit lapin. Minuscule. Il est ridicule ce chevalier. Nouveau panneau. Alors? Oui, les trois petits cochons. Vous les avez bien reconnus. Donc ensuite, le petit chaperon rouge croise les trois petits cochons. Oh là là, ils sont en skateboard. Mais oui, les trois petits cochons adorent jouer. Nouveau panneau. Oh oh, un monsieur avec un fusil, c'est le chasseur. Oui, le chasseur. Comme dans Blanche-Neige, par exemple. Ou dans Le Petit Chaperon Rouge. Et le voici le chasseur, mais ce n'est pas lui qui chasse. C'est un énorme sanglier qui lui court après. Nouveau panneau. Ouh, le loup. Comme dans Le Petit Chaperon Rouge, justement. Oh, ah mais le voilà, le loup. Regardez, il fait du patin roulette, mais il n'a pas l'air très à l'aise du tout. Ouh là là, c'est même un débutant en patin roulette. Il se cramponne à un arbre. Le petit chaperon rouge n'en croit pas ses yeux. En tout cas, il n'a pas l'air méchant, ce loup. Dernier panneau. Ah, c'est qui ça? Bah, c'est une vieille dame. C'est la grand-mère du petit chaperon rouge. Elle est arrivée. Elle a déposé le vélo devant la porte de la maison. Et elle est à l'intérieur. Et le voyage est fini.